le Stade de France, le plus grand Stade de France, et pour nous tous, déjà des souvenirs mémorables dans ce géant dionysien. À l'affiche aujourd'hui, l'Allemagne contre l'Ukraine. Grégoire Margoton pour vous servir, et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tullet. Hello everybody, ravi d'être ici pour vous faire vivre cette rencontre. Les joueurs entonnent l'hymne national. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Mats Hummels. Jérôme Boateng. Oh, Schürrle. Müller. Schürrle. Stepanenko. Dans le dos de la défense. La bonne passe. Yarmolenko. Le gardien loin devant. Quel timing dans l'interception. Schürrle. Khedira. Mesut Özil. Toni Kroos. Va-t-il en profiter? Il peut y aller. Yarmolenko. Rakitski, Stepanenko, Yarmolenko, c'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Mats Hummels, Müller, Khedira, Toni Kroos. Tente de la jouer dans l'espace. Stepanenko. Yarmolenko. Bien joué à droite, il faut aller vite. C'est une remise en jeu. On
on joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Selesnev, il glisse le ballon en profondeur. Yarmolenko, bien servi sur le côté. On joue sur l'aile, il est servi. Mario Götze. Toni Kroos. Jérôme Boateng, Toni Kroos, Mesut Özil, Stepanenko, Shevchuk, Selesnev. Il n'arrive pas à se rapprocher. Attention à cette passe lobée. Il tire. Aucun danger pour le gardien. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il ne trouve personne. Il écarte, ça joue long. Il reçoit le ballon. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Là, il peut centrer. Le soutien derrière lui. Pour trouver la faille dans la défense. But pour l'Allemagne. Et voilà, sous nos yeux, un magnifique décrochage de toile d'araignée. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Je reprends, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont... Shevchuk. Stepanenko. Khedira. Müller. Toni Kroos. Müller. Toni Kroos. Müller. Il joue dans la profondeur. Oui, bonne intervention de la défense. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Stepanenko. Shevchuk. Bien joué ça. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Müller. Khedira. Mesut Özil. Toni Kroos. Mario Götze. Toni Kroos. Mats Hummels. Oh, Mario Götze. La passe est précise. Dans la profondeur. Mario Götze. Toni Kroos. Mesut Özil. Oh, Schürrle. Jérôme Boateng. Toni Kroos. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Ça peut être dangereux. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile.
Le coup de tête. Et l'arrêt, magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Toni Kroos. Mats Hummels. Toni Kroos. Mario Götze. Oh, Schürrle. L'arbitre sifflera la mi-temps dans 5 petites minutes. Allez, accélérez encore une dernière fois. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Khedira. Toni Kroos. Yarmolenko. Mesut Özil. Müller. Oh, très beau ballon. Non, ça manque d'application. Shevchuk. Calcerelli. Shevchuk. Stepanenko. Calcerelli. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. C'est joué long, attention. Allez, ça peut faire mal. Il peut frapper. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. Toni Kroos. Mario Götze. Müller. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Mario Götze. Mesut Özil, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Oh, la passe en profondeur. Yarmolenko. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Özil. Khedira. Müller. Schürrle. Stepanenko. Longue ouverture. Mario Götze. Mesut Özil. Mario Götze. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Oh, Mario Götze. Rakitski. Shevchuk. Stepanenko. Seleznev. Stepanenko. Shevchuk. On est entré dans les 30 dernières minutes du match. Stepanenko. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Dans le dos de la défense. C'est le moment de centrer. Thank you.
Toni Kroos, Mario Götze. Toni Kroos, Mario Götze, Khedira, Müller. Pour trouver la faille dans la défense, il tire. Alors là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Oh, Mesut Özil. Yarmolenko. Stepanenko. Stepanenko. Kalchirili. Stepanenko. Kalchirili. Stepanenko. Senezlev. Il est lancé vers le poteau de corner. Il est bien placé. Allez, il faut plus de mouvement, plus de rythme si on veut avoir de la qualité dans ce match. Il joue dans l'espace. Bon dégagement, bien joué. Stepanenko. Shevchuk. Kalchirili. Yarmolenko. Jérôme Boateng. Müller. Jurle. Khedira. Mario Götze. C'est bien de conserver la balle, mais il faudrait penser à attaquer, messieurs. Ils obtiennent la touche. Mats Hummels. Khedira. Jérôme Boateng. Khedira. Jérôme Boateng. Khedira. Toni Kroos. Mario Götze. Mats Hummels. Khedira. Toni Kroos. Jérôme Boateng. Khedira. Müller. Khedira. Toni Kroos. Jurle. Khedira. Jurle. Toni Kroos. Mario Götze. Toni Kroos. Mario Götze. Jurle. L'accélération. Oh, Mesut Özil. Stepanenko. Mesut Özil. Mats Hummels. Khedira. Mario Götze. La faute. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. Oh, quel geste! Oh, Mario Götze, le voilà servi. Le jeu repart vers la droite. Rakitski. Yarmolenko. Bonne course, côté droit. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Là, il y a un vrai engagement. Khedira.
coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut!